Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Aurélia Riquebuche, je suis thérapeute holistique. Pourquoi holistique? Eh bien parce que je vais accompagner les femmes sur tous les plans de l'être, le plan physique, mental, émotionnel et énergétique. J'ai dans ma boîte à outils un diplôme de diététicienne depuis 2009. Je suis également praticienne Reiki et je me suis formée dans tout ce qui était approche comportementale avec les TCC, la méthode ACT et d'autres outils comme la radiesthésie ou la libération karmique, voire aussi l'EFT. Donc plein d'outils qui vont pouvoir m'aider à accompagner les femmes à trouver la racine de leur mal-être pour les en libérer en profondeur afin de faire la paix avec leur corps et avec la nourriture. Si ça fait déjà un moment que vous me suivez et si vous vous dites que ça y est, c'est le bon moment pour vous de vous faire accompagner, en tout cas si cette démarche holistique vous parle, on peut en discuter par téléphone lors de l'appel Libération. Pour cela, je vous invite à remplir ce questionnaire, vous avez le lien dans la description de la vidéo, pour faire cette demande donc d'appel de 30 minutes où on fera le point sur votre situation actuelle, sur votre besoin et on verra ensemble dans quelle mesure je peux vous apporter mon aide, soit au travers de l'accompagnement haut de gamme, soit au travers aussi de mes programmes en ligne. Avant même de parler donc du sujet de notre vidéo qui est la culpabilité alimentaire, je vous invite tout de suite à vous abonner à la chaîne, ainsi vous pourrez recevoir les notifications dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Donc aujourd'hui, le titre de notre vidéo c'est « Comment ne plus culpabiliser de manger ?» et cela grâce à trois étapes. La première étape, ça va être, encore une fois, vous savez que j'aime bien ça, comprendre pourquoi on fait les choses, c'est-à-dire comprendre pourquoi est-ce que vous culpabilisez. Sous-entendu, pourquoi est-ce que vous croyez que vous êtes en train de faire quelque chose de mal, finalement, puisque ça symbolise ça, cette culpabilité. Il peut y avoir plusieurs raisons, donc c'est très souvent dû à des croyances, donc ça peut être des croyances familiales très ancrées, ça peut être des croyances alimentaires qui sont infondées, ça peut être aussi des croyances limitantes hein, sur sa propre personne, question d'estime, de confiance de soi ou d'affirmation de soi. Donc parfois des croyances qui n'ont rien à voir avec l'alimentation peuvent encore une fois influencer, impacter votre comportement et donc votre comportement aussi alimentaire et donc cette culpabilité que l'on peut ressentir. Donc encore une fois, c'est essayer de comprendre dans chacune des catégories quelles sont les croyances qui se mettent en place, quelles sont les vôtres, hein, c'est ce travail que je vous propose de réaliser, donc c'est pour vous, donc d'essayer de faire la liste justement des croyances qui vous mettre dans ce cycle de culpabilité. La deuxième étape, ça va être de prendre de la hauteur sur ces croyances pour pouvoir les dégommer une à une, ces croyances, parce qu'à un moment donné, il y en a ras-le-bol d'être soumis à toutes ces croyances qui nous empêchent en fait d'être nous-mêmes. Hein. C'est comme des couches et des couches qu'on se rajoute sur soi. Donc, l'idée, c'est que pour chaque croyance que vous aurez identifiée, c'est d'essayer de voir si effectivement cette étiquette vous correspond ou si au contraire, elle est infondée ou erronée ou en tout cas, elle vous empêche d'être dans plus de flexibilité, dans plus de souplesse dans vos comportements. Non, vous n'êtes pas une mauvaise personne si vous prenez du poids. Non, le chocolat ne fait pas grossir. C'est vraiment essayer de regarder pour chaque croyance et d'essayer vraiment en étant objective de voir si elle est réellement juste, vrai, en tout cas au-delà même de la vérité, puisque chacun détient sa propre vérité, c'est vraiment essayer de comprendre est-ce qu'elle est fonctionnelle, est-ce qu'elle vous permet d'être heureuse, cette croyance. Si ce n'est pas le cas, alors on va apprendre à enrayer et à mettre des croyances plus aidantes dans la troisième étape, mais pour vous aider à faire cette deuxième étape, hein, de prendre de la hauteur sur les croyances et vraiment en étant objectif de voir si elles vous aident ou non, c'est pour cela il faut être vraiment dans l'instant présent. Soyez dans l'instant présent, essayez d'être dans la bienveillance. Alors pour le coup, je vous invite à voir d'autres vidéos sur le sujet hein, pour vous aider à être dans la bienveillance. Mais c'est vraiment avoir ce côté objectif parce qu'encore une fois, ce travail, c'est le vôtre. Vous le faites pour vous. Donc, il n'y a pas de notes ou de compte rendu à rendre, ce travail il est vraiment pour vous. Donc sachez que si vous n'êtes pas bienveillante, eh bien ce travail ne fonctionnera pas, il n'aura pas lieu d'être, donc il n'y a pas d'intérêt. Donc encore une fois, si vous décidez de le faire, alors il faut que vous sachiez qu'il va falloir à un moment donné être dans la bienveillance et dans l'objectivité par rapport à vous, puisque l'objectif là, c'est de vous aider et c'est vous qui allez vous apporter cette aide. Petite parenthèse fermée, on passe à la troisième étape, donc ça va être justement d'apprendre de nouvelles croyances, des croyances plus aidantes. Pour cela, il va falloir
être au courant de ce qui vous anime, c'est-à-dire de connaître en fait vos valeurs profondes pour pouvoir trouver des croyances qui soient pardon, en lien avec vous et pas quelqu'un d'autre qui va vous les donner parce que ça ne fonctionnera pas. La solution est en vous, c'est à vous de trouver des croyances qui soient vraiment adaptées à votre personnalité, à vos valeurs profondes pour que le tout concorde bien et que ça fasse sens, hein, tout simplement. Donc, l'idée, ça va vraiment d'adapter, en fait, votre niveau de contrôle à vous-même et donc de pouvoir modifier les croyances petit à petit. Alors, la première étape, c'est à partir du moment où vous avez trouvé une croyance limitante, ça va être tout simplement de transposer la phrase d'un point de vue positif. Déjà, ça, ce sera une première étape pour vous aider à intégrer, en fait, un système de croyances plus aidant. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous réalisez cet exercice sur les croyances pour dégommer ces croyances ou au moins faire la liste des étiquettes qui vous empêchent de prendre du plaisir à manger, qui vous maintient en fait dans ce schéma de culpabilité. Donc n'hésitez pas à partager vos retours avec nous et je vous invite aussi à partager la vidéo autour de vous, à mettre au moins un pouce bleu sous la vidéo parce que ça m'aidera à rendre la vidéo plus visible sur internet et les réseaux sociaux et donc à pouvoir aider aussi d'autres femmes qui ne me connaissent pas encore et qui auraient besoin de mon aide. Je vous remercie d'avance pour votre aide et votre soutien et je vous souhaite une très très belle journée et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut salut !